Quoi? Vous entendez la musique? Oui, j'entends. Oui. Pourquoi je l'entends pas? On part, c'est comme si tu l'entends. Vous voulez que je mette des calous? Mais par contre, j'ai peur que les Jedi ils prennent. Akarai va assister à sa mort. Jedi. Ah, amène Akarai, amène Akarai quand même, ce soit possible. Un membre du Conseil Noir a été capturé. Pas n'importe quel membre du Conseil Noir. Le Dark Xer. Un membre du Conseil Noir extrêmement recherché suite à ses nombreux crimes contre l'ordre Jedi. Suite aux nombreux meurtres, aux nombreux assassinats, aux nombreuses vies qu'il a pris, qu'elles soient ou Jedi. Mais le pardon se doit d'être accordé à tout être de la Force. Quels que soient les agissements, quels que soient les actes. C'est pourquoi, au lieu que ce Sith meure sur un champ de bataille, que son cadavre soit au milieu des décombres ou de ceux de ses alliés, nous allons faire une sorte de rituel, lui permettant de retrouver la luminosité qu'il a perdue autrefois. Lui permettant non seulement de retrouver la luminosité, mais donc de pouvoir rejoindre la Force. Alors, Jedi, méditez. Mettez-vous tous en position de méditation. Je kéber ou tu kéber en fait? Je kéber. Ouais, mais moi je suis en train de rêver, ce serait plus beau que je fasse. Beaucoup trop proche. Mais vu que je suis en train de rêver, ce serait pas plus beau que je fasse bah moi. Non, comme ça, bah non. Dans le bah non, tu verras rien toi. Tu verras rien toi. Si je verrais. Que tous les Jedi se mettent en méditation et ferment leurs yeux. Tiens, enfin, même temps. Non, mais là ils sont beaucoup trop proches. Oui, c'est bon. Je l'entends souvent. Recule encore quelques peu, Jedi. Recule, Jedi. Oh, c'est pas vrai. De toute façon, je vais le mettre en plus. Là, les Kyber, je vais tous prendre mon Kyber. Oh non. Je vais tous prendre mon Kyber. C'est pas très grave, c'est bon. Dommage collatéraux, tu dis. Non, mais non, ça va juste tout foirer. Que les Jedi envoient leur luminosité vers cet être déchu dans la Force. Ouais, la prochaine fois qu'il... Le temps, il a mis des soundboards en plus. Ouais, tout à l'heure, il mettait... Bravo, Nyx. Champion, là. Allez-y, Jedi. Envoyez vers votre luminosité. Envoyez cette luminosité dont il a besoin afin de pouvoir rejoindre la Force correcte. Pourquoi est-ce qu'il y a un impérial qui tire dans le temple? Mais c'est Azoki qui est en train de péter les couilles là! Oh! Restez en méditation. Le reste, restez concentré. Continuez à envoyer de la lumière, ne vous laissez pas déconcentrer. En méditation, il parle et il dit oui, restez concentré. Grave, normalement, il est grave concentré. Hein. Censé parler là. Oh, Azoki, il est pas là. C'est pas Azog, je sais pas ce que c'est pas Azog, c'est Tio A qui est possiblement libéré. Ah bah non. Bien. Jedi, il faut que vous compreniez une chose. Et c'est pourquoi certains ne l'ont toujours pas compris, ne sont toujours pas passés au titre supérieur. Il faut comprendre que la paix ne s'inflige pas qu'à ceux qui propagent et essaye de garder le mieux possible le bien. La paix peut s'appliquer à tout être voulant, rejoindre un bon côté. Elle s'applique à tout être qui souhaite la rejoindre, qui souhaite la propager, ou qui souhaite tout simplement faire la paix avec soi-même. Ceci est également une possibilité. Alors, Jedi, retenez bien ceci. Quels que soient les agissements, quel que soit le passé, quelle que soit la raison de cette personne ici, il est de notre devoir, il est de notre devise, il est de notre loi de faire en sorte que chaque personne
puisse rejoindre la force et être en paix avec soi-même. La paix fait partie de chacun de nous. La paix prend toujours une place dans notre esprit. Il ne peut pas avoir de luminosité sans obscurité et d'obscurité sans luminosité. Mais il faut savoir contre cette personne n'a pas su les contrôler. Mais aujourd'hui, Jedi, nous allons l'aider à cela. Maître Zota, par les droits maître de l'ordre qui me sont conférés, en tant que représentant lui-même de la paix et de la sagesse, il y a encore des tirs. Je vous lègue le pouvoir d'exécuter cette personne par toute la paix et la sagesse qui nous envahit. Par contre, Patrick, tu disais quoi par rapport au site qui trollait en Jedi? Je sais pas, apparemment il y a des signes qui... Parce que nous on s'est fait cap... Bien évidemment je ne prends aucun plaisir à exécuter les personnes, mais c'est au devoir et que je dois les limiter. Que les Padawan et les Jedi reculent. Dark Xer, j'espère que vous rejoindrez la force comme vous le devez. Qu'ils puissent boire sa bouteille. Les Jedi vont mourir, reculez. Je pourrais lui transmettre ce message si vous souhaitez. Padawan, reculez. C'est un conseil à reculer. J'espère que vous rejoindrez la force comme il se doit. Bon, je vais kyber les gars. Attends, là, mais comprendre. Que diriez-vous? Reculez tous, que tout le monde recule. Au site, au Jedi pour leur passer le bonjour. Reculez. Pardon. Jedi, reculez. Vous pouvez y aller, maître Zota. Épargné par là. Que la force t'a dit. Tu as pas d'avance. What the fuck? Ah, il le troll. Que la force soit avec vous, Dark Xer. Padawan vous a demandé quelque chose. C'est pas ça m'a fait peur, j'ai été non, il va y avoir. Vous avez pas votre bouche. Je mets du feu. Du conseil noir qui va apparaître normalement. Parle autrement quand même, Padawan. Mais ce n'est pas terminé, Jedi. Ouais, vous devez respect, c'est marqué dans la carte, monsieur. Attends, il reste sa femme. T'as un rec ou pas, monsieur? Oui. Bon bah, j'aurais bien... Merci d'avoir pris notre défense, mec, hein, c'est sympa. Ouais. Désormais, Jedi, nous nous devons d'envoyer son esprit, bah, merci, mec. Son âme, son merci, corps trop, à la force. Respecte merci, un minimum. Brûler son corps l'amènera à la force. Lui permettra de ne faire qu'un avec elle. Oh. Putain. Lui permettra tout simplement de pouvoir retrouver la paix qu'il cherchait autrefois. Ça brûle. Non mais t'inquiète pas, je m'occupe de lui moi. François. Quelqu'un des chamallows? Oh le lui il va se faire. Ouais. Vous reculez. Taisez-vous. C'est pas le prochain qui parle pour dire une ânerie, il y aura des sanctions. J'espère que c'est compris. Maître Nestor est membre du conseil, j'ai quelque chose à vous dire. Maître Nestor, regardez qui je viens de trouver.